cœur de la France, dans le Berry des Bouchures, aux confins des départements du Cher et de l'Indre, dans cette région que l'on nomme le Bois Chaud, chère à Georges Sand, nous voici au berceau de la race Grand Noir du Berry, cette grande bourrique, autrefois richesse du pays, qu'associations et éleveurs passionnés entreprirent de sauver. Tout se déclenche au moment où, avec des copains, joueurs de cornemuse, on décide d'aller sur le pas des maîtres sonneurs. Les maîtres sonneurs, c'est un livre qu'a écrit Georges Sand en 1853, je crois bien. Et il y est question de musiciens, de joueurs de cornemuse, mais surtout de muletiers. Alors avec une douzaine de copains, on décide de partir, mais pas de mules évidemment. Depuis longtemps, il n'y a plus de mules dans le pays. Du moins, elles sont très rares. Alors on est parti avec des grandes bourriques, deux grandes bourriques qu'on avait empruntées avec René-Paul Blanchard. Et tout le long du chemin, je retrouvais vraiment là l'animal. Et puis au retour, les choses se sont précisées. J'ai fait quelques sondages autour de moi. Tiens, les ânes, est-ce qu'il en reste? Ah, tout le monde me disait, il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a plus beaucoup. Et